À cet endroit, il y avait une ganterie, créée par Madame Mathieu en 1922. Madame Mathieu était une dame assez riche, originaire de la Ferrière d'Alvar. Au début, elle avait un petit commerce de linge de maison. Puis, après le décès de son mari, et malgré qu'elle soit presque aveugle, elle a créé cet atelier de ganterie, qui employait jusqu'à 50 ouvriers. On y fabriquait de très beaux gants en cuir qu'elle vendait dans sa boutique et aussi dans la boutique du parc thermal, qui recevait une riche clientèle. Elle vendait aussi en dehors d'Alvar, dans d'autres stations thermales et dans d'autres grandes villes de France. Elle avait sa propre marque, l'Alvardine. On raconte qu'un jour, elle reçut une commande originale de 365 paires de gants d'une femme très riche. Après la Seconde Guerre mondiale, les gants synthétiques concurrencent les gants en cuir, ce qui amène à la fermeture et la liquidation de la ganterie d'Alvar en 1951. Madame Mathieu, elle, est décédée en 1962.